Ça nous a amené à moins fumer. Avec l'augmentation, c'est un privilège maintenant, c'est un luxe. Et maintenant, on sait que par rapport à 2 000 francs, on peut acheter beaucoup de choses à côté. Et puis, par rapport au tabac, la santé, je crois que ça nous a ralenti un peu à réfléchir et puis à ne plus dépenser pour ça, quoi. À moins dépenser, surtout. Pour ça, tout doucement, mais sûrement, quoi. Moi, je songeais à arrêter de fumer. Ça fait un petit moment que j'y pense et que je ne l'ai toujours pas fait. Mon compagnon et moi, on fume. On a une consommation assez importante. Donc oui, on a un petit peu diminué du coup. Et puis on espère que ça nous permettra d'arrêter. Après, le fait de monter les prix, ça c'est plus économique pour moi. Ouais, c'est l'État qui veut rembourser la dette à la grande banque. Nous, on n'est plus des citoyens, on est des consommateurs. On est des sources de revenus. Notre pays, c'est plus un pays, c'est une source de revenus pour l'État. Comme ils savent que nous, on est des gens qui bougent beaucoup, qui bossent, on est prêts à tout pour avoir ce qu'on veut pour servir, ils vont monter, voilà, c'est tout. Moi, au niveau de ma consommation, on va dire que c'est un mal pour un bien, parce que j'ai quand même réussi à ralentir. J'étais sur une fréquence à peu près de 4 roulés par mois. Ensuite, j'ai réussi à diminuer déjà avec la cigarette électronique. J'ai quand même réussi à diminuer pas mal ma consommation et maintenant j'en suis à un roulé par mois à tout casser. Je fume ma cigarette électronique, mais je garde quand même un peu ce geste de toujours fumer quand même après les repas ou des trucs comme ça. Non, même pas, même au niveau de la nourriture, tout ça, vestimentaire, tout ça, hygiénique, tout a augmenté. Ben non, ça sert à rien et les gens ils s'en sortent pas. Puis ben, on aimerait bien que ça change pas du tout parce qu'on s'en sort pas. Beaucoup de personnes sur la population fument, ben je sais pas, ils ont décidé d'augmenter, peut-être pour gagner plus d'argent ou je sais pas. Mais pour nous, on trouve pas ça normal.